On a fait un sondage France Info avec Le Parisien aujourd'hui en France. Un tiers de vos sympathisants, hein, je ne parle pas des Français, hein, un tiers de vos sympathisants, ils ne sont même pas convaincus par votre campagne. Si je viens chez vous et je dis les Arabes à la mer, ben on va parler de moi. Si je dis qu'il faut faire une politique migratoire européenne qui crée la réinstallation, qui fait ça ou ça, tout le monde s'en fout au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec les sondages. Je sais ce qu'ils valent, je sais comment ils gagnent de l'argent. C'est le premier qui mettra Zemmour devant la droite, après c'est le premier qui machin, là maintenant c'est le premier qui met Pécresse devant Macron, c'est leur rôle. Tu sais bien qu'avec la marge d'erreur, Zemmour il est en dessous de Le Pen, enfin ça n'a aucun sens. Oui mais il y a une tendance qu'avec Marine Le Pen elle est passée de 28 à 15. C'est les dynamiques là. Il y a une dynamique. Mais qui décide ils font de l'argent sur ça, les sondages. C'est Harris qui a décidé de le tester au second tour. Oui mais Harris fait de l'argent dessus. Ça existe parce qu'on en parle, ça existe parce que les sondeurs en font un truc.